Bien le bonjour. Essayez de deviner, vous n'y arriverez pas, ok? Mais essayez quand même de deviner le thème général de cette vidéo-là. Ok, on est dans une vidéo du coup de Lena Situation. Au début, elle papote un peu, elle raconte sa life, elle raconte justement ce qu'elle va faire dans la vidéo. Ensuite, elle se maquille. Je me suis changée. Ah, ça me gratte le nez. J'ai un haut où t'as chaud et t'as froid en même temps, genre t'es pas sûr de la température ambiante extérieure. Un pantalon de costume et ma petite banane Saint-Laurent. J'étais en train de rouler sur ma trottinette quand tout. Ensuite, elle sort de chez elle, elle se promène. Tout d'un coup, je suis devant le musée d'art décoratif et regardez, il y a une expo sur Harper Bazaar, le premier magazine de mode. Et elle est encore là. Et je crois que j'ai envie d'aller au musée. J'adore les expos de mode. Venez, on va au musée. Je vais vous prendre place, s'il vous plaît, pour l'expo Harper Bazaar. Je dis juste, elle n'a pas de plan spécial pour la journée, hein. Donc voilà, elle s'est promenée, etc. Elle a vu l'exposition, elle s'est dit, je vais y aller. Là, elle se retrouve au musée, elle est en train de discuter avec quelqu'un. C'était bien? Ouais, très bien. Ah, bon, c'est cool. Merci de me suivre, c'est gentil. Ah. Elle me montre l'exposé, etc. J'ai resté pendant 1 heure et demie. Elle a rencontré des gens. Ah, mais tu t'es donné deux. Tout sauf seul. Tout sauf seul. Tout sauf seul. Tous au musée. Aller au musée, en plus, c'est gratuit quand t'as moins de 26 ans. Ouais, et puis moi, je continue ma petite journée. Hein. Salut les gars. Salut. Bisous. Bonne journée, bonne expo. C'est gentil, ciao. Oh là là, mais quel kiff cette expo. Et je vous jure que. Depuis que je vais plus à l'école, j'apprends des choses dans mon métier, tu vois, tous les jours, mais je me sens beaucoup moins stimulée. J'ai toujours un peu honte de faire des vlogs devant les gens. Quand tu vas à l'école, on te force à aller voir des choses que t'as pas vraiment envie de voir au début, ou alors t'apprends des choses au cas où. Ok, là ensuite elle sort de l'exposé, elle te raconte, elle te parle, elle te raconte un truc par rapport à quelque chose auquel elle vient de penser, pas par rapport vraiment à l'expo, hein, par rapport à quelque chose. À quoi l'exposé lui a fait penser. Je suis 0 euro, rien. Bonjour! Parle encore à des gens dans la rue, avec un air très gai, d'ailleurs. Hein. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui l'effraie particulièrement. Ça va? Aujourd'hui, je sentais trop que j'allais te voir sur Paris. Tu sentais que t'allais me voir ouais, aujourd'hui? C'est dingue. Et t'as changé ma vie. Elle se met à discuter pendant X temps. Oh là là, je viens de croiser une abonnée. Qui m'a ramené tellement d'énergie, je vous jure, à un moment, j'avais les larmes aux yeux, j'étais en mode, mais. What? Je croise plein de gens. Avant, je croisais personne, et maintenant, je croise plein de gens. Et j'écoute les histoires de tous les gens, et c'est. Trop cool. Je nous adore, on est géniaux, je suis désolée. Pourquoi mon vélo, il bip là depuis tout à l'heure? Je nous adore, on est géniaux, je suis désolée. Arrête de biper, frérot, tu m'angoisses, y'a tout le monde qui me regarde. Oh my god, pourquoi il bip mon vélo? Elle continue sa journée. Oh, quelqu'un. Tiens bon. Des photos, elle rigole, elle discute. Elle continue sa journée à se promener, à faire des choses. Vite, vite. Donc venez, on se balade un peu, non? Et à te parler comme si tu étais quelqu'un. Elle te parle vraiment comme si tu étais son pote et que vous discutiez ensemble. Ok, devine comment s'appelle cette vidéo du coup. Révélation, le nom de cette vidéo, c'est... Oups, c'est... Je passe une journée solo. Ok? Je passe une journée solo. Ça, pour Lena Situation, c'est une journée solo. Meeting you guys. Journée solo, elle sort, elle fait des trucs random, elle parle à X personnes dans la même journée. Ça, c'est une journée solo pour Lena Situation. Okay? Pourquoi est-ce que je montre ça? Et pourquoi est-ce que je précise ça? Et pourquoi est-ce que j'ai dit essayer de deviner? Parce qu'en fait, le simple fait de faire une vidéo par rapport au fait que tu passes une journée solo, ce sont pas les introvertis qui font ça. Ce sont pas les introvertis qui font ça. Tu fais pas une vidéo sur le fait que t'as pris une douche. Aujourd'hui, je prends une douche. Ok, les gars, alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre... Non, tout le monde prend des douches relativement régulièrement. C'est un truc normal qui... Enfin, c'est même pas intéressant pour toi parce que tu le fais tout le temps. Quelqu'un qui a jamais pris de douche, il trouvera ça incroyable, tu vois. Je sors dehors, tu vois. Je me promène dans la rue. Qui va trouver ça incroyable? Quelqu'un qui vient de sortir de prison, peut-être. Tu vois, il va faire un vlog. Waouh, je me promène dans la rue, trop cool, tu vois. Parce qu'il a été en prison. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand c'est évident,
tu ne fais pas de vlog par rapport à ça. Donc faire un vlog par rapport au fait que tu passes une journée solo, ça veut dire que t'es pas quelqu'un qui a l'habitude de passer des journées solo. Tu vois, donc quand elle dit oui, en général, je suis chez moi, je fais mon truc, bah pourquoi tu fais une vidéo où tu peux. Enfin, si t'as l'habitude d'être solo, genre pourquoi est-ce que tu fais une vidéo comme ça? C'est une journée comme une autre, du coup, si t'es solo. Deuxièmement, voilà ce qu'est être solo pour Léna Situation. Tu vois bien le problème, pas besoin de le souligner. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire de ne pas être nous en fait. Passer des journées solo, seul chez toi, où tu fais rien, tu parles à personne. Il y a beaucoup de gens qui font ça très régulièrement. Ça ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, à ce qu'on vient de voir dans la vidéo là. Clairement, elle cherche la compagnie des gens, elle sort dehors, elle se met à parler à des gens, c'est Léna Situation. Elle sait très bien qu'elle va se faire reconnaître dans la rue, tu vois. Elle cherche limite activement des gens à qui parler en fait. Elle ne peut pas rester une journée seule pour de vrai. Regardez la conclusion de sa vidéo. Un régal cette journée. Je sais pas ce que ça vaut en termes de vlog, si c'est cool ou. Parce que je sais pas très putaclic ou c'est pas très foufou quoi. Mais vraiment, je vous conseille à tous de passer une journée seule comme ça de temps en temps. Je sais que c'est compliqué de rester seule parce que ça laisse à ta tête le temps de te parler, tu vois. Quand il n'y a pas de bruit autour de toi et que t'es seule, ta tête laisse dire ok, bon, il n'y a plus personne. Vas-y, viens, on parle de ce problème-là et de ce problème-là. C'est tellement drôle parce que là, en fait, elle est en train de décrire le mode sommeil, tu vois. Et il y a tellement de gens qui font ça intentionnellement et qui, justement, veulent être seuls, qui veulent penser à leur truc, à leur problème ou pas, mais qui veulent être dans leur tête et se parler à eux tout seuls et passer du temps seul, mais pour de vrai, tu vois, et qui, justement, eux, le font trop. Et cette force à écouter les choses que tu essayes un peu de cacher quand il y a du monde autour de toi et aussi de nourrir ta tête d'autres choses. J'aurais pu apprécier avec des potes aussi, hein. Mais seule, c'est différent et je suis contente de m'avoir moi-même. Je parlerai de sa personnalité plus précisément, je pense, à l'occasion d'un contenu plus focus sur sa personnalité. Mais bon, c'est quoi sa découverte? Je suis contente de passer du temps avec moi-même. Ah, d'accord. Tu connais beaucoup de. Je dis ça comme ça, hein. Tu connais beaucoup de. Allez, DI qui ont ce genre de révélation. J'écris une petite lettre à Léna du futur. Cher moi. Tu as acheté ce livre en août 2020. Actuellement, tu fais une vidéo par jour. Toutes font plus d'un million de vues. Ouais, ça fait beaucoup et tu as du mal à gérer ça. Alors, tu passes une journée seule et tu tombes par hasard sur cette exposition à Paris. Tu achètes le livre en souvenir car tu as passé un très bon moment et tu veux le garder dans ta tête. J'espère que tu continues d'apprécier ta propre compagnie et de sortir seule. Bisous, Léna. Et c'est tellement drôle parce que. Alors. Moi, au début, j'ai l'impression qu'elle faisait exprès en fait, ou que, je sais pas, qu'elle mentait, enfin bref, ça paraît tellement genre, mais comment tu peux ne pas te rendre compte que c'est pas du tout ça une journée seule? Genre, comment tu peux être à ce point-là inconsciente de ce qu'est un vrai introverti dans notre jargon à nous, mais de ce que c'est vraiment que de passer une journée seule, de ce que c'est vraiment que d'avoir un mode sommeil, que de prendre du temps pour soi-même, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, genre, elle est sincèrement en train de penser que là, elle a passé une journée solo et qu'elle a passé une journée pour elle. Elle s'est retrouvée avec elle-même. Mais tu as rencontré plus de gens, tu as parlé avec plus de gens, tu as interagi avec plus de gens dans ta journée solo que moi dans toute ma semaine. J'étais au restaurant avec des amis hier, mais on était beaucoup, mais ça compte pas vraiment. Elle a interagi avec plus de gens que dans une semaine moyenne que j'ai moi, tu vois. Parce que je vais pas au restaurant avec un groupe d'amis tous les jours. J'ai mes amis, en général, et je les vois pas tous les jours. Je sors pas de chez moi tous les jours. En général, même, je sors de chez moi pour voyager, pour faire des courses. C'est tout. Me balader et rentrer dans des magasins au hasard, c'est quelque chose que je ne fais jamais, en fait. Et si j'étais connu, je le ferais encore moins. Parce que ça me saoulerait, en fait, de parler à des gens, etc. J'aime bien les gens, ça va, mais voilà. C'est pas quelque chose qui est naturel, qui est bien, qui est agréable pour moi. Et pourtant, je suis loin d'être le plus introverti du monde. Et du coup, quand elle va lire la lettre là dans 10 ans, elle pensera vraiment, ah ouais, j'ai passé une journée seule, je me souviens. Parce que pour elle, à son niveau d'extraversion, à son niveau d'énergie, à son niveau de sa personnalité, être seule pour de vrai, je pense pas que ce soit possible. Je pense qu'elle le vivrait très mal et ce serait pas quelque chose qui serait agréable, ce serait pas quelque chose qui la mettrait dans un bon état. Elle commencerait vraiment à se sentir mal, mais genre pour de vrai, à pleurer, à être énervée, enfin bref, vraiment des états qui sont pas souhaitables. Donc c'est bien qu'elle fasse ça petit à petit, c'est même bien qu'elle cherche, qu'elle essaye avec bonne volonté de passer une journée solo, même si, waouh. Mais à son niveau, tu vois, ça, c'est une journée solo pour elle à son niveau. Et en fait, c'est juste pour montrer le point auquel on ne vit pas dans le même monde. On n'a vraiment pas, genre, on est
pas dans la même réalité en fait. On n'est vraiment pas dans la même réalité. Les mots n'ont pas le même sens. En fonction de ta personnalité, les mots n'ont pas le même sens. Tu ne vis pas dans le même monde. Tu n'as pas la même réalité. Les règles sont différentes. Les échelles sont différentes. Et en fait, du coup, je pense que. Et en vrai, du coup, je pense que si on demandait à Léna c'est quoi sa personnalité, je pense qu'elle-même, elle n'oserait pas dire que c'est une introvertie. Je dis ça, mais en vrai, il y a tellement de gens qui sont comme elle, voire même pire, et qui disent non, vraiment, j'ai un mode sommeil d'homme. C'est même pas impossible, en vrai. Mais Léna, situation en particulier, elle, je pense pas. Elle a l'air relativement consciente de certaines choses. Même si elle se croirait probablement un peu plus introvertie que ce qu'elle est, je pense qu'elle serait consciente quand même que non, franchement, j'ai quand même besoin des gens, j'aime bien être avec mes amis, etc. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont parce que, en fait, ils sont ce qu'ils sont et ils ne se rendent pas compte que, attends, en fait, tu es juste. Il me faut le tableau. Tu n'es même pas censé savoir, toi, en tant qu'humain, tu n'es pas censé avoir conscience, en fait, du point auquel, en fait, tu es juste une personne, ok, dans, genre, parmi d'autres. T'es juste, voilà, t'es juste un point sur une carte, en fait. T'es vraiment, t'es. On prend un échiquier, tu vois, t'es juste une case de l'échiquier. Et encore, sur un échiquier, il y a les bords, il y a le milieu, il y a des diagonales, tu vois. On peut essayer de voir, peut-être que certaines ont plus de sens ou sont plus particulières que d'autres, tu vois, les coins, tu vois, peut-être qu'ils sont plus particuliers que, je sais pas, que F3, tu vois, qui est à peu près au milieu du truc, enfin, qui est à peu près nulle part, en fait, F4, je crois plutôt. Et en fait, tant que tu ne vois pas où tu es par rapport aux autres, tu peux pas savoir en fait est-ce que tu es extraverti ou pas parce que tu te rends pas compte de ce que les gens font. Et Léna, elle ne peut pas savoir en fait qu'elle n'est pas introvertie parce qu'elle ne sait pas ce que font les introvertis, elle n'en a pas conscience. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que les introvertis, en fait, pendant que Léna, elle est dans la rue en train de parler aux gens, bah eux, ils sont chez eux en fait. Et du coup, bah, ils vont pas dire au monde extérieur qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, c'est normal qu'on sache pas ce que font les introvertis. Des choses comme ça, en fait, où quelqu'un va dire qu'il passe une journée solo, que quelqu'un va dire qu'il est introverti, alors qu'il fait absolument tout le contraire de ce que font les introvertis, c'est pas étonnant et c'est même pas censé ne pas arriver, en fait. C'est normal que ça arrive. Et enfin, ça doit arriver, en fait. C'est normal que ça arrive. Mais c'est vrai que c'est comme ça chez beaucoup de gens et beaucoup d'extravertis, même Kimi Seba, tu vois. Je pense, lui, que par exemple, je pense, lui, par exemple, qu'il penserait être introverti. Autant Léna, j'ai l'impression qu'elle en aurait conscience. Autant Kimi Seba, j'ai l'impression que non. Parce qu'il a un côté, tu sais, à parler à chaque fois de manière super grave, de manière super sobre, parler lentement, t'expliquer le truc, bonjour, avec sa voix vraiment genre Batman, tu vois. Mode. Tu vois, il fait le grand sage. Et il est vraiment sage. Hein. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime bien, moi. Comment il s'appelle? Kimi Seba, pardon. Je ne suis pas assez humain, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. Merci. Et puis la femme, de manière générale, au-delà de la femme noire, s'est battue pour la libération de la femme. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans la libéralisation de la femme, dans la chosification de la femme, que dans sa véritable libération. Et la femme, je donne un exemple bête. Albéry, qui était une actrice extraordinaire, la première fois qu'elle a eu un Oscar, c'est quand elle a joué le rôle d'une femme. Son mari vient de se faire tuer sur la chaise électrique par un autre homme et elle se fait. Excuse-moi, je ne veux pas parler crûment, mais en gros, elle devient La maîtresse. La maîtresse, et encore là, tu parles avec noblesse, du tortionnaire de son mari. Et si on te donne un Oscar pour ça, Denzel, le premier Oscar, est le seul qu'il a eu du premier rôle. Il l'a eu pour avoir joué un sale flic pourri avec des contre-valeurs absolues. Et tous les films extraordinaires qu'il a fait, il n'a jamais eu d'Oscar. Tu D'accord, comprends? ouais. Ils sont félicités toujours pour le. Il y a un truc, tu sais. L'ingénierie sociale, le cinéma, on est l'une des plus grandes bases. Ok. Lui, on voit qu'il est là, t'expliquer un truc, que l'autre, elle commence à dire un truc et qu'il continue à parler, tu vois. C'est du mode répand. Et on voit aussi que c'est sensation. On voit qu'il te donne des exemples, il cherche à prouver ce qu'il dit. Il t'explique un truc plus global, mais il te donne des exemples. Et on voit qu'il se base sur les exemples. Il te donne d'abord les exemples, il va insister sur les exemples. Voilà ça, voilà les faits. Et ensuite, il te fait un petit mode répand. On voit du mode répand et on voit de la sensation, tu vois. Bon, après, il faudrait prouver que c'est SE. Là, on ne pourrait pas prouver que c'est SE, mais nous, on sait que c'est SE. Donc, si tu as SE et mode répand, en fait, tu es déjà forcément, tu es un OE. Donc, tu es quelque part ici ou là. Mais si tu es un OE et que tu as un mode répand, du coup dominant, bah, là, ce sont que les modes consomment, en fait. Là, ce sont les modes répand, mais c'est OI, donc tu es forcément ici. Si tu as OE, ici, SE et mode répand, tu es forcément ici. Donc tu es forcément dans les plus extravertis du monde, tu vois.
En une phrase, on peut... Non. Nous, c'est parce qu'on sait, encore une fois, si on voyait que ça, on pourrait pas dire. Nous, c'est parce qu'on sait, donc je me permets de dire ça. Mais on voit les trucs qui font que, par défaut, ce sera un des plus extravertis, Kémi Séba. Et pourtant, souvent, là, ça va, il parle fort, parce qu'on est au milieu, je pense, de l'interview, etc. Il faudrait voir au milieu, au début. Mais souvent, dans les interviews, il parle en mode grand sage. Il prend comme, genre une posture comme ça, il bouge pas. L'air stoïque, il te parle de manière... Enfin, comme j'ai dit, avec une voix super grave, on dirait Batman. Et il te parle de manière calme, de manière posée. Voilà, nous devons faire ci pour l'Afrique. Et les frères africains ont tel rôle, etc. Je me moque pas, vraiment, je l'aime bien, sincèrement. Mais on voit qu'il veut jouer le rôle, je sais pas, du leader, certes, mode répand, ça c'est sûr, mais du leader plus répand sommeil, tu vois, qui est là, qui organise, qui est calme, qui ne panique pas, qui ne saute pas dans le feu de l'action, mais qui... Bah, en fait, du leader ennemi, en fait, qui a une stratégie, qui a un plan, tu vois, et qui prend son temps, qui a du recul, qui voit la situation globale, qui a déjà un coup d'avance, qui ne panique pas. Tu vois ce que je veux dire? Lui, je pense qu'il penserait être introverti. Kémi, bienvenue dans mon émission. Bonjour, Issa. Bonjour. Ah non, même au début. C'est peut-être parce qu'il a évolué. Ça, c'est une vidéo de 2020. Quand je l'avais typé, moi, il était beaucoup plus jeune. Mais franchement, en plus, il a une belle évolution. Bref, c'est pas le sujet. Mais je l'ai revu un peu récemment. Et franchement, il a une belle évolution, Kémi Séba. Même sur un point de vue personnel. Enfin, en fait, que sur un point de vue personnel. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait politiquement. Ça m'intéresse que très, très peu. Mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être plutôt mature, qui évolue bien, qui a l'air de vraiment s'assagir avec les années, etc. Justement, le Kémi Séba, beaucoup plus SE, qui se battait, qui a fait de la prison, etc. Ça a l'air d'être derrière lui, tout ça. Ça a l'air d'être... il a l'air plus sage et plus posé. Mais pas plus sage, genre, en mode plus mou, mais en mode plus mature, en fait, plus adulte. Il continue ses combats, etc. Mais de manière plus adulte et plus posée, ouais, c'est ça. Plus mature. Dans celle-là, je crois. Batman. Kémi Séba, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle... Voilà, c'était ça. Voilà, c'est vraiment ça l'image dont je me rappelais. Tu vois, il bouge pas. Bonsoir. C'est vraiment Batman. Lui, c'est sûr, il se penserait dark, il se penserait introverti, il se penserait dark, il se penserait, tu sais, Dark Sasuke. On se rend pas compte, tout le monde, même en Afrique, tout le monde a Netflix aujourd'hui. Bien sûr. Donc... je regarde parfois certaines séries, je regardais parfois certaines séries. Il y a mes films fétiches. Moi, je suis un grand amoureux de Batman, donc je regarde aussi. Du coup, c'est 50. Tout s'explique.